Un après-midi très dur pour les Viettes du football club Saint-Éloi à Loupopo au complexe Omnisport Frédéric Kibassa Maliba devant les élancés de Rangers de Kinshasa. Bloc bas, c'est de cette manière que Rangers va chercher à freindre Loupopo après avoir pris cet avantage en première période sur une belle combinaison conduite de Bossou et plat du pied sans inquiétude. Froide pour le jaune et bleu qui chercheront le chemin de l'égalisation dans le premier 45 minutes, mais sans succès. Héritier Makambo va s'illustrer en solitaire. Malheureusement, il sera trahi par la taille. Seconde période, Loupopo reprend les choses en main pour ne trouver que cette égalisation d'un centre dans un cafouillage. Malgré les réclamations, le but sera validé par le maître du terrain et le marquoir va indiquer un but partout jusqu'à la fin de la rencontre et un match nul a suffi pour Guy Roger, l'entraîneur de Rangers. Un score de parité, mais ça ne suffisait pas. On a beaucoup raté comme d'habitude. Les joueurs clés n'étaient pas dans le match, comme Alidor. Bon voilà, c'est le football. Beaucoup de choses sur le plan d'efficacité, sur le plan de la maîtrise du jeu, sur le plan de la maturité. Voilà, on a manqué beaucoup de choses. Oui, je suis satisfait parce que je ne joue pas chez moi. Je suis joué maintenant au Katanga ou au Bachir, je suis jusqu'à une 5 points, je suis satisfait. Donc il faut l'engagement physique. On a travaillé beaucoup sur le plan physique. On a vu le match contre Dragon chez nous à Kinshasa. On a bien satisfait sur ça.